Cher Loïc, votre nom, qui contient l'amour de Vénus, est sensible et harmonieux, comme un artiste. Vous vous exprimez très bien. La socialisation est importante pour vous. Vous aimez être dans des environnements bondés et vous montrer. Votre côté humanitaire prévaut toujours. Vous résistez à l'injustice. Vous êtes passionné et romantique en amour. Vous pouvez occasionnellement être exposé à des maladresses et à des accidents invisibles. Vous êtes une personnalité talentueuse avec des aspects artistiques. Vous aimez l'intimité et évitez de révéler vos sentiments. Vous êtes d'humeur sensible, émotive et fragile. En tant que Loïc, vous avez un intérêt naturel pour le bien-être de vos semblables et un désir d'aider et de servir les autres de manière humanitaire. Vous êtes responsable et généreux. Bien que parfois quelque peu dispersé et désorganisé, tout travail exigeant un effort systématique et consciencieux, ou impliquant toute forme de pénibilité, vous consterne. Dans votre travail, vous recherchez un poste offrant l'expression de vous-même au contact des gens, comme dans la vente ou l'enseignement, ou un poste laissant libre cours à vos talents créatifs et artistiques. Vous êtes de bonne humeur et sympathique, et les gens ont tendance à se confier à vous et à vous demander conseil sur des problèmes personnels. Les autres sentent votre intérêt sincère et votre désir d'aider, et on peut toujours compter sur vous pour voir le bon côté de tout problème. Vous aimez rendre les autres heureux et vous ne vous laissez jamais « déprimer » par vos propres problèmes pendant un certain temps, même si vous avez parfois tendance à trop vous inquiéter. Votre optimisme peut être une source d'inspiration pour les autres comme pour vous-même. Dans les relations personnelles étroites, vous êtes généralement attentionné et attentionné. Cependant, votre intérêt naturel pour les autres, associé à votre réaction sympathique face aux problèmes, pourrait vous entraîner dans des situations émotionnelles dont il peut être difficile de se sortir. Une faiblesse de santé apparaîtrait sous la forme d'affections cutanées ou d'affections liées au foie. Une tendance à trop manger d'aliments à énergie rapide aggrave les problèmes de santé. Vous êtes très lumineux, vous faites briller la lumière autour de vous. Vous êtes enquêteur, prudent, compétent et sage. Vous avez une personnalité projective, intellectuelle, affirmée, déterminée. Pleine d'espoir, ouverte d'esprit, ferme et inébranlable. Vous portez des sentiments d'inspiration et de bonheur. Cependant, vous êtes assez têtu et vous voulez toujours suivre votre propre voie. Vos traits négatifs peuvent inclure la destructivité, le pessimisme et la dépression mentale. Vous avez une personnalité objective. Vous avez tendance à refléter les événements tels qu'ils sont. Sans distorsion, vous avez les caractéristiques d'être compatissant, serviable, compréhensif et empathique. Nos chers adeptes, sur notre chaîne, nous analysons uniquement les personnages en fonction de leurs prénoms. Vous pouvez nous écrire les prénoms que vous souhaitez que nous analysions en précisant vos informations de sexe et de nationalité. Pour être informé des caractéristiques des autres prénoms, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer nos vidéos. Merci de nous avoir écoutés. Avec notre amour le plus sincère.